jouer au Foursquare Game, vous allez tracer un terrain de 3 mètres par 3 mètres divisé en 4 carrés de 1,50 m par 1,50 m. Un joueur dans chaque carré numéroté de 1 à 4. Le joueur situé dans le carré numéro 1 laisse rebondir une fois le ballon au sol avant de le frapper en direction du carré numéro 3. La partie lancée, les joueurs ont pour mission de frapper à l'aide de leurs mains le ballon en direction d'un carré adverse. Attention, il faudra néanmoins respecter un rebond au sol avant de frapper le ballon. Il y a plusieurs fautes de jeu. Par exemple, si un joueur relance le ballon en direction de celui qui vient de lui lancer, si le ballon tombe sur une ligne ou alors sort des limites du terrain, si un joueur frappe le ballon dans sa propre zone ou s'il frappe le ballon après un rebond autorisé, et il existe d'autres fautes comme frapper le ballon de volée ou alors l'attraper ou le tenir avant de le lancer. Quand un joueur commet une faute, il doit se rendre automatiquement dans la file d'attente. Un joueur de cette même file d'attente va se rendre dans le carré numéro 4 et le restant des joueurs vont combler les espaces vides en se décalant d'un cran. Dans cet exemple, le joueur numéro 3 a commis une faute, il sort donc du terrain pour se positionner dans la file d'attente. Une personne de la file d'attente vient dans le carré numéro 4. La personne qui était dans le carré numéro 4 se déplace dans le carré numéro 3. Et bien entendu, le carré numéro 2 et le carré numéro 1 restent inchangés.